Et nous voilà, sur les finales. Finale de Coupe de France de beach handball. Les rencontres avaient commencé samedi matin et se finissent cet après-midi avec une première finale de filles qui va opposer la Bretagne à la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors qu'ensuite, nous enchaînerons avec le match des garçons qui opposera la Provence-Alpes-Côte d'Azur à la Corse. Ici, les équipes de filles, donc la Bretagne qui va évoluer en blanc, avec les noirs également, et la Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sera en bleu et jaune. Bleu pour les joueurs de champ, jaune pour les gardiens et spécialistes. Eh bien, on espère que cette finale sera à la hauteur de l'événement. Première édition. Ces deux équipes, on les a côtoyées rapidement. Espèrent bien remporter ce premier Graal. C'est toujours quelque chose de dire j'ai remporté la première édition d'un tournoi. Là, c'est quand même tout. Une représentation nationale, la première Coupe de France du beach. On a eu beaucoup de matchs, on a eu de la chance avec le temps qui était beau, qui n'a jamais été pluvieux, il n'a pas fait froid, pas fait une chaleur trop étouffante, même si là, à cette heure-ci de l'après-midi, le soleil est plus qu'au rendez-vous. Donc une belle affiche pour conclure cette première édition de la Coupe de France de beach qui se joue à Malo-les-Bains près de Dunkerque, avec l'organisation de la Ligue des Hauts-de-France sous la houlette de Jean-Pierre Lepointe, que l'on remercie ici avec tous ces bénévoles qui ont tout fait pour que cet événement soit le plus sportif et le plus facile à vivre. Merci à eux d'avoir tout fait pour préparer cette plage. Et bien sûr, ils étaient soutenus par des partenaires tels la ville de Dunkerque et la communauté d'Aglo, bien entendu. Début de la rencontre qui va se jouer en 2-7 par un entre-deux. Et c'est parti. Très vite, on prend la mesure et Paca ouvre le score.
petit problème de technique sur le chrono, mais c'est résolu. On enchaîne avec effectivement le Paca qui est un peu en avance malgré quelques petites pertes de balles. On sent les équipes pas fébriles mais encore pas dans le match. Mais à 1,50 le début de cette rencontre, bien sûr rien n'est fait. Alors que les gardiennes prennent la mesure. Ah. Beaucoup d'arrêts déjà. Est-ce qu'elles vont prendre l'ascendant sur les tireuses? Voilà, il y a une grosse faute là. Grosse faute, on n'a pas le droit de contrer. Ah ouais. On ne doit pas contrer derrière, par derrière, bien entendu. Et là, c'était pris dans la fougue de l'événement. Attention, elles font un peu trop de fautes directes. Donc avertissement verbal. Par contre, joli contre. Et avec le jeu des rebonds, Bretagne récupère. Ensuite, le petit problème de score. Petit problème de scoring, mais on a bien 8-8. Qui ratait, mais on obtient un 6 mètres et une fois de plus, le défenseur est sanctionné. Oh, tout leur sourit à la Bretagne. Ça fait plusieurs rebonds favorables. Et là, ah ouais, une faute sur le... Car le contre et les fautes de contre s'enchaînent. Et du coup, on attribue une faute individuelle à numéro 14.
Et c'est de nouveau Marion Limal pour la Bretagne qui va... Bah, qui va pas marquer. Ah là là. Donc on reste sur 8-6. Est-ce que Paca va réussir à... Eh oui, c'est fait. À se créer un petit paquet. Petit avantage. La gardienne est un peu moins performante. Et les joueuses aussi. Tout d'un coup, les interceptions se font. Tout d'un coup... marché. Arrêt du temps là ou qu'est-ce qui se passe? Non. Temps mort demandé par la Bretagne. Eh ouais, 6-10. Il faut que la Bretagne réagisse. Alors des shoots ratés, des pertes de balles un peu inattendues. Et puis Paca qui peut-être a trouvé la solution sur les shoots gardiennes, encore que. Un temps mort pris aussi tôt dans le match est assez étonnant. Et peut-être qu'il vaut mieux parfois tout de suite changer de braquet, tout de suite alerter les filles avant que cet écart ne grossisse et soit irrémédiable. On va reprendre. Il reste une seconde. Et théoriquement, il faudrait être sur le terrain, les filles. Quand un temps mort dur, c'est que le coach parle peut-être beaucoup, mais parce qu'il a beaucoup de choses à dire. Et est-ce que les filles sont lucides? Est-ce que les filles... vont réussir à appliquer et est-ce que ce qu'on leur demande d'appliquer c'est la bonne formule, on va le voir. Voilà, décalage. Eh oui. Alors autant elle faisait des fautes en contre en première période, sur le premier set, pardon. Autant là, les comptes sont efficaces et gênent réellement les Bretonnes, même si la gardienne reste efficace côté breton. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon l'écart grandirait. Ah, mais de l'autre côté aussi, on se réveille au niveau gardien. Eh oui. Mais on demandait si la roue n'a pas tourné. Le vent n'a pas tourné, pardon. La roue, ça tourne souvent, mais... Ah là là. Un shoot bien, un shoot contré. La Bretagne repart en attaque. Il reste 3 minutes. Allez. Et là, c'est gagné. Là, c'est passé. Et on revient à 2 points. Peut-être Paca qui maintenant va réfléchir. Enfin, c'est vraiment... les joueuses sont finalement assez proches les unes des autres. Pourtant, c'est pas anormal que... Et un marché. Et oui, elles vont marcher. Pris dans le... Oh, la faute de passe. Oh, c'est toujours rageant. C'est toujours rageant de perdre des ballons de cette manière-là, sans même avoir la possibilité de tir. Et par contre, Région PACA en profite. 8-12. 2 minutes de jeu encore. De toute façon que la Bretagne ne trouve pas de solution. Voilà.
Encore une perte de balle directe, c'est étonnant. Étonnant. Alors qu'elle elle semblait mener très largement, très facilement, sans beaucoup. But, je pense que effectivement, plus d'arrêt. Que de but, mais maintenant, si la Bretagne veut revenir en hauteur, il faudra faire le nécessaire. C'est ce qui est fait avec la spécialiste. Dans un premier temps, 2 points d'écart. Arrêt du temps. Taka qui doit. Demande un temps mort. Il reste 44. 1 point. Je pense que le coach, c'est peut-être ce qu'il est en train de dire en disant si on marque. On marque un seul point, ça pourrait suffire. Il vaut mieux marquer un point dans cette situation plutôt que de risquer de ne pas en mettre. Du tout. Et alors là, d'être à la merci des bonifié de. Alors maintenant, oui, il faut défendre. Pour marquer 2 points. Et ça, passage en force. C'est un peu étonnant, mais. C'est un peu étonnant. Moi, j'avais vu plutôt le mouvement. La défenseur, mais l'arbitre était très très bien placé. Il n'y a pas de contestation côté. Et Brest, me semble-t-il. Pas Brest, Bretagne. Oh, par contre. Quelle belle défense de Marion pour bonne chance. Arrêt de la gardienne. Arrêt de la gardienne qui fait que 2-2. Taka a perdu. But.
but. Regarde, ça marche. Regarde. La Bretagne a pris un peu d'avance. But 4-4. But pour la Bretagne qui est en avance 6-4. Il reste encore deux shoots. But, c'était juste, mais c'est correct, ça laisse l'espoir à Paca. Pour l'instant, ça oblige la Bretagne à gagner. Enfin, à gagner, à marquer. Et... perte de balle. C'est pas fini. Ça remet les pendules à l'heure. Il reste un shoot de chaque côté. Avec une erreur pour l'instant chacun. Dernier shoot de cette série. Et c'est raté. C'est raté. Pire à côté, ça sous-entend que pour la Bretagne, un point pourrait suffire. Je vous parlais de ce petit avantage au tirage au sort. On va voir si théoriquement la joueuse ne devrait avoir qu'à tirer un point, à moins que la gardienne. Et c'est fait, un seul but, et oui, c'était un peu l'avantage de ce tirage au sort, mais ça c'est une chose, il fallait surtout ne rien rater. Et c'est la Bretagne qui remporte le premier titre de Coupe de France du Beach. Et il faut tout de même féliciter Paca qui a été jusqu'au bout de son rêve, et qui, enfin presque au bout de son rêve, et qui de ce fait arrive en finale et a tout fait pour. Alors on peut féliciter bien sûr la Bretagne, mais Paca a joué jusqu'au bout et a bien failli. Non pas créer la surprise, mais elle aussi remporter ce premier titre. Quand un titre se joue au shootout, vous doutez bien que ça, donc ça s'est pas joué à grand chose. Merci de nous avoir suivis. Nous allons pouvoir suivre maintenant la finale des garçons. La finale des garçons qui opposera la région PACA à la Corse. A tout de suite.